La nouvelle vient de tomber, et met le monde du cinéma en émoi. L'acteur de 56 ans, Adamanyan, est décédé. Pour l'heure, aucune nouvelle n'a été donnée sur les circonstances de sa mort, ni même sur le jour précis où l'acteur Sen est allé. Mais Adamanyan n'est plus, et bon nombre de ses anciens camarades de jeu ou amis de tournage vont le regretter. L'un d'entre eux, le réalisateur Olivier Abou, lui a justement rendu hommage après avoir appris cette triste nouvelle. Il a publié une photo de l'acteur sur Instagram, et lui a dédié quelques mots, « Si est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre le décès d'Adamanyan avec qui j'ai la chance de travailler sur les deux saisons de Maroni et Fury. Nous ne nous sommes pas quittés pendant 4 ans, partageant des aventures humaines et artistiques intenses au bout du monde, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et même à Lille, si est dire. Il était engagé, allumé, entier, talentueux, puissant. Il a été mon héros, un ami, un complice, a-t-il écrit, bouleversé. La belle carrière sur petit et grand écran d'Adamanyan. L'acteur est né à Paris en 1996 et a obtenu son diplôme de l'Institut d'études théâtrales de Paris 3e. Adamanyan a eu un très beau parcours professionnel. Il a suivi les cours de Philippe Duclos aux ateliers du TGP, atelier Gérard Philippe, et s'est produit dans des pièces d'Alfred de Musset et de Marivaux. Il a par la suite décroché de nombreux rôles dans des feuilletons et séries télé, ce qui lui a permis de se faire connaître du grand public. Il a dans un premier temps fait quelques apparitions dans des séries policières telles que Julie Lescaut, Mystère ou encore Commissaire Moulin, puis a décroché un rôle important dans le célèbre feuilleton marseillais Plus belle la vie qui a vu se former beaucoup de couples en coulisses, avec le personnage de Sébastien Sanega. De quoi donner un coup de boost à sa carrière d'acteur. À la télévision, ses deux derniers rôles, et non des moindres, sont ceux du professeur de mathématiques en 2016 dans la série de TF1 Sam, dont le rôle principal a longtemps été tenu par Natasha Lindinger, puis Léonard en 2021 dans la série à succès Lupin avec Omar Sy qui a récemment expliqué pourquoi il a quitté la France pour les États-Unis. Sur le grand écran, Adamanyan avait joué dans Baise-moi de Virginie Despentes en 2000, puis dans 35 Roms de Claire Denis en 2008. Il a surtout brillé pour son interprétation de Guy Georges, le tueur en série, mais aussi pour son rôle dans l'affaire SK1 en 2015. Dernièrement, il a joué dans Fury d'Olivier Abou, 2019. Une belle carrière pour ce grand acteur.